Le bureau des informations sur les jours fériés du Québec, Odette Chartier, comment puis-je vous aider? Oui, madame, le jour férié d'hier, là. Oui. C'était-tu la fête de la reine, de Dollar ou des Patriotes? Ah, c'est la. Hein? C'est les trois, là. Les trois. Ben, c'est la reine qui prend ses dollars qui s'en va au restaurant se commander un Patriot. Hein? C'est un trio de pâtes en français. Ah oui, hein? Ouais. Un Patriot, un trio de pâtes. Ouais. C'était la fête de ça hier. Ça aurait l'air. Oui. T'es allé chercher cette information-là sur Wikipédia, hein? Ouais. C'est pour ça, mettons, que ça a déjà été la fête de la reine, mais que les Québécois n'aimaient pas ça, fait que ça a changé pour la fête de Dollar. Qui, déjà? Ouais, en fait, c'est la fête de la reine, mais là, à un moment donné, il y en a un qui a décidé que ce serait la fête de Dollar, désormais. Ah, c'est pas désormais? Oui, mais c'est parce qu'il a fait une crise cardiaque en le disant, puis ça a fait Dollar, désormais. Ah. Ça restait le même. T'es encore sur Wikipédia, là? Ben oui. Mais là, c'est à quel des trois, là, finalement? Ben, hier, c'était la journée des patriotes. OK, puis ça veut dire quoi quand on est patriote? Ça, je regarde, là. Patriote, deux points, ne pas être triote. On peut aller donc voir triote, toi. Bon, je l'ai ici. Triote, deux points, féminin de trio, comme dans la phrase Michel Thérienne n'a pas utilisé sa quatrième triote. OK, fait que patriote, c'est ne pas jouer dans une triote. C'est ça, tu joues sur le banc. Ouais, sur la banche. Hein? Parce que c'est au féminin. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Je sais pas pourquoi, mais je me sens sceptique devant ces explications, madame. Ouais. C'est parce que patriote, ça veut tout simplement dire par rapport à la patrie. Comme dans la phrase mon char part pas parce que la patrie est finie. Ah, OK, alors une patriote, ce serait une patrie qui aurait surchauffé. Oui, oui, oui. Aha. Ou encore une patrie qui a beaucoup de succès auprès des autres patries parce qu'elle a des vêtements cool, quelque chose de même. Là, je pense qu'on tient vraiment quelque chose. Puis Dollar des Ormeaux, son nom complet, c'est Dollar des Hormones. C'est ça. C'est la reine qui s'est transformée en gars pour changer le nom de la fête. C'est ça. Puis la reine, comme c'est rendu un gars, ben c'est plus une reine. C'est le masculin d'une reine qui est un. Un rein. C'est ça. Combien qu'on a de reins? Deux. Deux, c'est un trio? Non, c'est pas trio. Fait que c'est pas trio? Donc au féminin, c'est patriote. Voyez-vous, là? Ben, c'est bien simple. Ah, mais lâchez ça, Wikipédia, là.